deuxième édition du Hip Hop à 6000. La première avait déjà été super prometteuse. Et cette année, deux fois plus d'inscrits que l'an dernier. Et puis, tout au long du week-end, une ambiance assez géniale, même voir l'échauffement dans la brasserie et puis les shows dans la grande salle, c'est assez exceptionnel et c'est une ambiance très peace. Le week-end se déroule en deux phases. Il y a d'abord le samedi où on va accueillir les groupes, apprendre à se connaître, ils vont faire leurs répétitions, enregistrer une petite capsule dont vous allez faire la présentation, etc. Ensuite, il y aura donc toute la proposition des shows chorégraphiques en junior et en adulte où les juges vont pouvoir donner une note technique et artistique. Et à l'issue de cette journée de show, les quatre groupes dans chaque catégorie qui auront obtenu la meilleure note sont qualifiés pour participer au battle le lendemain. Et c'est lors de ces battles que se déterminera le podium final, donc 1, 2, 3, 4 dans chaque catégorie. Et demain, on accueillera aussi des 2 contre 2 en b-boying et en hip-hop. Et là, c'est plus dans un esprit binôme et directement en battle. Donc, on fera les qualifs le matin et on sélectionnera 8 duos par catégorie. Et donc, toute l'après-midi sera une alternance de battle entre crew contre crew et duo. Non, mais je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça part du constat qu'à Charleroi, il y a une quinzaine d'écoles qui proposent des cours de danse hip-hop et qu'on pourrait, l'espace d'un week-end, essayer de les rassembler pour un concours qui ne soit pas une compétition purement commerciale où on va élire le meilleur, le plus beau, mais où il y aura en plus des échanges, d'où les workshops de ce matin avec les juges, et puis une compétition, mais qui se fait dans le respect des autres participants. Alors ce concours, il n'est pas uniquement à destination des écoles Carolo, il y a aussi des groupes de Namur, de Bruxelles et même de France qui participent et donc qui essaient de conférer à Charleroi une place sur la carte de la danse hip-hop en Belgique et même en Europe. Pour Charleroi, c'est génial. Parce qu'il y a tout le temps plein d'événements, mais c'est tout le temps à Bruxelles, Liège ou en France, Anvers. Donc, qu'on ramène un peu le hip-hop sur Charleroi, ben, on est fiers, quoi. C'est un bon événement pour faire grandir la culture de Charleroi parce qu'il y en a pas les événements, il n'y en a pas beaucoup à Charleroi. Et ça fait franchement plaisir que pour une fois qu'il y a des événements qui se passent ici à Charleroi, parce que c'est vraiment rare. C'est aussi le partage, c'est pas seulement venir ici et gagner. Pour moi, c'est d'abord s'amuser, aimer ce qu'on fait et partager ça avec de différentes personnes. Que ça soit uni, l'union fait la force, comme on dit. C'est ensemble, on danse ensemble et lorsque ce serait le moment de s'affronter, ben on s'affronte. Mais après les affrontements, ben dans les cercles, dans les cyphers, on danse. On se fait plaisir, c'est comme ça, c'est la danse quoi, c'est du partage après tout. Du moment qu'on s'amuse en fait, danser l'essentiel et on donne tout ce qu'on peut et voilà. C'est quand même de gagner. Oui, c'est vrai. Mais... conseil pour moi c'est have fun, fais que tu t'aimes bien le faire. Si moi j'aime bien et t'es le gagnant, bien. Si tu perds premier tour, c'est pas le truc qui est le plus important, c'est on vient tous ensemble, on fait un petit fête, c'est tout. Voilà, le conseil premier que je donnerais c'est de partir de soi-même en fait, c'est-à-dire de s'accrocher, parce qu'on a des hauts et des bas, comme la vie elle est faite ainsi.
Quand je suis honnête, je connais juste Grande Culasse, un autre événement qui est ici. Et pour le reste, je ne viens pas souvent à Charleroi. Alors, je suis honoré d'être ici comme juge. Je pense que je vais avoir beaucoup de têtes que je ne connais pas et je suis curieux et motivé de voir le signe d'ici. Et j'espère que tout le monde de Belgique vient et supporter un signe comme Charleroi. Je pense qu'ils ont encore beaucoup de possibilités de grandir. S'il y a une troisième, et je suppose qu'il va y en avoir une, oui, 100% prête pour faire évoluer l'événement. On veut que le hip-hop à 6000 prenne une ampleur d'année en année, que ça devienne un rendez-vous où les gens savent qu'ils vont kiffer. A priori, oui. Ce qu'on a pu constater, c'est que depuis 3 ans d'ici et qu'on a vraiment ouvert les portes et les fenêtres de l'Éden, on a eu plein de projets autour des cultures urbaines. Il y a le hip-hop à 6000, il y a la Grande Kilas proposée par la Broc, il y a le slam proposé par Goslam City. Et au final, bah, on se rend compte que c'est assez cohérent par rapport à cette ville pleine de béton qu'est Charleroi, que les jeunes se retrouvent dans les cultures urbaines à Charleroi. Ça me paraît assez évident, assez naturel en fait. Faites un maximum de bruit, plus que le maximum, s'il te plaît.